وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد يا إخوة الكرام Nous reprenons les cours ou la chronologie des événements concernant le jour dernier et nous étions arrêtés la semaine dernière sur les balances. Et Allah tabaraka wa ta'ala dressera les balances et nous avions expliqué que les balances, ce sont des balances réelles, ce ne sont pas des métaphores, comme le disent certains, notamment le Mu'tazila, disant que les balances, en fait, sont une expression de la justice d'Allah et qu'en fait, il n'y aura pas de balance. Or, les savants de la Sunna s'accordent à dire à l'unanimité que les balances seront des balances réelles avec deux plateaux et une aiguille, si on peut le dire comme ça. Lahu, awlaha kiffatan, walisan. Les balances, elles pèseront soit les actes des serviteurs, comme ceci est clairement défini à travers les versets du Coran, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux dont les balances seront remplies et lourdes de bonnes actions seront ceux qui réussiront. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Quant à ceux qui verront leur balance légère de bonnes actions, alors cela ce seront ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes ainsi qu'à leur famille et ils demeureront éternellement en enfer. Deuxièmement, ce qui sera pesé aussi sur les plateaux de la balance, ce seront les acteurs eux-mêmes de ces actes, les personnes. Et ceci, nous le prenons du hadith de Abdullah ibn Mas'ud, lorsque le prophète a dit de lui, sallallahu alayhi wa sallam, ses jambes, le jour du jugement sur la balance, seront plus lourdes aux yeux d'Allah que la montagne de Uhud. Ce qui nous prouve bien sûr la valeur de cet homme et sa lourdeur, son poids auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un hadith authentique qui a été authentifié par Cheikh al-Albani fi Alwa al-Ghalil. Aussi sera pesé sur les balances les registres. Les registres peuvent être pesés sur les balances et tout ceci bien sûr est étayé par des versets du Coran et des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la suite des balances, et ceci ne fait pas unanimité chez les savants, il y aura ce qu'on appelle le bassin El-Haoud, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les savants ont divergé à savoir est-ce que le bassin sera avant que les balances soient dressées ou après que les balances soient dressées. Certains même disent que le bassin sera après que les gens passeront sur le Sirat, le pont, quelque chose qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Bref. Ce qu'il y a de plus authentique au regard des textes religieux, c'est que le Haud sera juste après les balances et avant le pont de l'enfer. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala honorera son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là par un bassin très large. Ma'uhu abiyadu min al-laban wa ahla min al-asal wa rihuhu atyabu min rih al-misk. Son eau sera plus blanche que le lait, son goût plus suave que le miel et son odeur plus agréable que le musc. Kizaluhu kanujumi sama, ses récipients et ses jarres seront comparables aux étoiles dans le ciel. L'imam al-Qastalani rahmallahu tabaraka wa ta'ala a dit elles seront comparables sur deux aspects. De par leur luminosité, ces jarres-là seront aussi brillantes que les étoiles dans le ciel et elles seront aussi nombreuses. Ce bassin-là sera en fait un bassin qui sera alimenté par la rivière del Kauthar, qui est une rivière du paradis. Et ce même fleuve-là a été octroyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Allah lui a dit Inna a'atayna kal Kauthar, fasalli li rabbika wal har. Nous t'avons certes donné Al-Kawthar. Al-Kawthar, Nahrun fil Jannah, Yantahi ilayhi, Had al-Hawd.
Ce sera un bassin dans lequel s'abreuveront ou s'abreuvera le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons et sa communauté par la suite. Et d'ailleurs, ce seront les premiers à s'abreuver de ce bassin. Et celui qui buvra une gorgée d'eau de ce bassin ne sera plus assoiffé. Man shariba minhu ghurfatan la yadhma'u ba'dahu abada. Il ne sera plus assoiffé, il ne sera plus touché par la soif. Alors ce hadith du bassin est un hadith authentique. D'ailleurs, les hadiths concernant le bassin sont des hadiths authentiques. Il n'y a pas moins de 50 compagnons qui ont rapporté des hadiths concernant le bassin. Donc on dira que le hadith ou les hadiths qui se rapportent au bassin sont des hadiths de type mutawatir, c'est-à-dire rapportés par une multitude de compagnons, une multitude de tabi'in et une multitude de atba' tabi'in à chaque génération comme ça, de telle sorte que aucun d'entre eux n'ait pu se rassembler pour mentir sur ce genre de hadith. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي أبعد من إيلة من عدن لهو أشد بيادا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأسد الناس عنه كما يسد رجل إبل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم السيماء ليست لأحد من الأمم تردون علي هغرا محجرين من آثار الوضوء رواه مسلم. Que signifie ce hadith? D'après Abu Huraira رضي الله تبارك وتعالى عنه, le prophète a dit صلى الله عليه وسلم, certes mon bassin est aussi grand que la distance qu'il y a entre Ila ou Aden. Ila, c'est la ville de Aqaba, qui est en actuelle Jordanie, et Aden, qui est au Yémen. C'est des milliers de kilomètres. Et il sera plus blanc que la neige, et plus suave que le miel, et ses jarres ou ses récipients seront plus nombreux que ceux des étoiles, ou seront plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Et certes, je repousserai les gens de mon bassin comme repousse l'homme les chameaux qui viennent s'abreuver dans son bassin. Alors ils diront, certains compagnons ont dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu nous reconnaîtras ce jour-là? Il dit, oui, vous aurez des marques distinctives que aucune autre communauté n'aura et ne portera. Vous viendrez vous abreuver à mon bassin, Ghurran muhajjalina min athar al-wudu, al-ghurra, c'est la marque blanche qu'il y a sur le front des chevaux. Elle sera aussi sur les croyants ce jour-là, wa muhajjalin, c'est la marque blanche qu'ils auront sur leurs pieds, car التحجيل, c'est la marque blanche distinctive qu'ont certains chevaux sur leurs pattes. Alors le prophète a dit, vous aurez des traces blanches sur le front et sur les pieds au regard des traces des ablutions, ou en conséquence des traces des ablutions, rapporté par l'imam Muslim. La forme de ce bassin, c'est un bassin de forme carrée. Sa longueur est égale à sa largeur. Et bien sûr, entre chaque côté, un mois de marche. D'après le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu tabaraka wa ta'ala l'huma, قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. Mon bassin a une distance d'un mois de marche et ses côtés sont à égale distance. Hein, ou sont équivalents plutôt. Muttafaqun alayhi. Et dans le hadith de Abi Dharrin radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, عرضه مثل طوله. Sa largeur est égale à sa longueur. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Tout ceci pour vous dire que ce bassin sera de forme carrée. Ces jarres qui sont aussi nombreuses que les étoiles et aussi lumineuses. Et comme je vous ai rapporté la parole de l'imam al-Qastalani, qui dit qu'elles seront comparables aux étoiles de par leur brillance et de par leur nombre. Or, ce bassin-là, ce n'est pas tout musulman qui pourra s'y abreuver. Il y aura des gens qui y seront refoulés, rejetés. On les éloignera loin de ce bassin au regard de quelques raisons que je vais citer, Inch'Allah, au tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Qurtubi, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, a dit
Nos savants disent qu'Allah leur fasse miséricorde. Toute personne ayant apostasié de sa religion après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ayant innové dans ce qui n'est pas agréé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ce qu'Allah n'a pas autorisé, fera partie des rejetés et des exclus du bassin et de ceux qui en seront écartés. Ceux qui en seront le plus écartés seront ceux qui auront fait scission d'avec le groupe de musulmans, Al-Jama'a, c'est-à-dire le groupe originel des musulmans, les compagnons et ceux qui étaient sur la voie droite, se détachant de leur voie, comme les Khawarij, toutes sectes confondues, les Rawafid, chiites et leurs égarements, ainsi que le Mu'tazila et leurs différentes innovations religieuses. Tout cela sont considérés comme ayant changé la religion. Il en est de même des injustes et des grands transgresseurs des droits d'autrui, ceux qui cherchent à annihiler la vérité et opprimer ses partisans, ceux qui font des grands péchés aux yeux et à la vue de tout le monde et sous-estiment la gravité des péchés, tous les groupes et sectes de l'égarement, des passions et des innovations, tout cela, comme l'a dit l'imam Al-Qurtubi, seront écartés du bassin de l'enfer. Effectivement, ce jour-là, les gens viendront et des anges s'interposeront entre eux et le bassin, et le prophète témoin de la scène dira Asayhabi, Asayhabi, ce sont mes compagnons, ce sont mes compagnons, dans le sens, ils font partie de ma communauté. Et on dira La tadri ma ahdathu ba'daka ya Rasulallah. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après toi. Alors le prophète dira sallallahu alayhi wa sallam suhkan suhkan liman baddala wa ghayyar suhkan suhkan liman baddala ba'di wa ghayyar, c'est-à-dire malheur et malheur à celui qui aura changé et altéré après moi, c'est-à-dire changé et altéré ma religion après moi. Sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr aussi est concerné par ceux qui seront repoussés de ce bassin, tous ceux qui ont renié l'existence de ce bassin, comme par exemple Al-Mu'tazila, qui ne reconnaissait pas les hadiths qui se rapportent à ceci. Là. Et là, il y a un hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari, qui est assez long, on va le lire ensemble, Inch'Allah, je ne veux pas le lire en arabe, car il est assez long, on va le lire en français, Inch'Allah, et on va l'expliquer. C'est le hadith numéro 6573, l'imam du Sahih Al-Bukhari. Écoutez bien, Inch'Allah, car il vient s'inscrire dans la continuité des événements. Ata ibn Yazid al-Layth rapporte que Abu Huraira radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu a dit: certains fidèles ayant demandé, ô envoyé d'Allah, verrons-nous notre Seigneur au jour de la résurrection? Ils reçurent la réponse suivante: vous bousculez-vous pour voir le soleil quand il n'est caché par aucun nuage? Non, ô envoyé d'Allah, répondirent-ils. Vous bousculez-vous, reprit-il, pour voir la lune la nuit où elle est pleine quand elle n'est cachée par aucun nuage? Non, ô envoyé d'Allah, répondirent-ils. Eh bien, ajouta-t-il, vous verrez de même le jour de la résurrection. Vous verrez de même Allah le jour de la résurrection. Allah assemblera les hommes et dira que chacun de vous suive celui qu'il a adoré. Donc celui qui a adoré le soleil le suivra. Celui qui a adoré la lune la suivra. Et celui qui a adoré les idoles les suivra. Il restera alors cette communauté parmi laquelle il y a eu des hypocrites. Allah s'avancera vers eux sous une forme autre que celle qu'ils lui connaissent. Il leur dira « Je suis votre Seigneur ». Et ils diront « Nous nous réfugions auprès d'Allah contre toi. Nous ne bougerons pas de place tant que notre Seigneur ne sera pas là et nous le reconnaîtrons quand il viendra. » Alors, Allah tabaraka wa ta'ala ira à eux sous la forme qu'ils lui connaissent et dira « Je suis votre Seigneur » et ils diront « Tu es notre Seigneur ». Et alors ils le suivront et on dressera le pont sur le feu de l'enfer. As-Sirat. Je serai, dit l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le premier à qui on le fera franchir. L'invocation des prophètes sera alors « Oh Allah, accorde le salut, accorde le salut ». À ce pont seront décrochées telles des épines de sardin. C'est des épines assez grandes qui étaient très appréciées des chameaux dans la péninsule à cette époque. Vous avez vu les épines de sardin? Certes, oui, ô envoyé d'Allah. Ces crochets seront semblables à ceux du sardin.
Mais Allah sait quelle immense taille ils auront. Ces crochets saisiront les hommes à cause de leurs œuvres. Il en est qui périront à cause de leurs œuvres. Il en est d'autres qui seront coupés en morceaux et qui échapperont ensuite quand Allah, ayant terminé le règlement des comptes des hommes, voudra faire sortir de l'enfer ceux qu'il aura désignés parmi ceux qui ont proclamé qu'il n'y avait pas d'autre divinité à être adorée en droit sauf Allah. Il donnera l'ordre aux anges de les faire sortir. On les reconnaîtra aux marques laissées par la prosternation, car Allah empêchera le feu de dévorer chez l'homme les traces de la prosternation. Quand on les fera sortir, ils seront brûlés. On versera alors sur eux une eau appelée eau de la vie, et ils renaîtront comme la graine dans le limon du torrent. Le hadith est long, mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ceci. Après que le prophète se rassemblera avec ses compagnons autour du bassin, certains s'y abreuveront, d'autres en seront privés. Qu'est-ce qui se passe du côté des mécréants qui ont reçu leur compte, qui ont reçu leur livre de la main gauche, dont les actes ont été pesés? Chacun aura le châtiment qu'il mérite dans des proportions très précises. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, à travers le Coran, nous explique quelle sera la façon dont ils seront rassemblés dans l'enfer, c'est-à-dire amenés à l'enfer, avant qu'ils n'y entrent. Comme nous l'avons cité dans le hadith précédent que je viens de citer, ils suivront leur divinité. 1. Ceux qui auront à adorer des idoles, Hubal, Al-Lat, Wamanat, Wal-Uzza, Wamanat, Al-Thalithat, Al-Ukhra, suivront chacun leurs idoles. Ceux qui auront adoré le soleil, comme les Mayas ou les Aztèques, les adorateurs du soleil, ou le peuple des Belkis au Yémen, ceux-là suivront le soleil. Ceux qui adoraient des divinités autres qu'Allah, ou alors qui adoraient des hommes autres qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, tous ceux-là suivront ceux qu'ils auront adorés. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, ils seront rassemblés dans le feu de l'enfer comparable à des troupeaux de bestiaux en groupe. Et on criera sur eux afin de les rassembler et on les traitera comme du bétail au final. Et Allah dit à cet effet, Jalla wa'ala, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Et on conduira les mécréants vers l'enfer en groupe. وَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَوْمَ يَدَعُونَ إِلَى جَهَنَّمَ دَعَّا. Et le jour où on traînera les mécréants vers l'enfer de manière prononcée. يُدَعُونَ بِمَعْنَا يُجَغْرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Ils seront traînés face contre terre. صلى الله عليه وسلم. ويقول الله جل وعلا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis يُوزَعُونَ يُجْمَعُونَ فِي النَّارِ وَيُدْفَعُونَ فِيهَا دَفْعًا. Puis on les poussera dans le feu de l'enfer. Aussi, Allah nous dira que, ou nous dit, nous informe que les mécréants seront enchaînés à ce moment-là. يقول الله جل وعلا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنهم كانوا لا يؤمنوا بالله العظيم. Prenez-les et enchaînez-les, puis brûlez-les dans le feu de l'enfer et enchaînez-les dans des chaînes de 70 coudées. Et emmenez-les vers l'enfer, conduisez-les vers l'enfer, car certes, ils ne croyaient pas en Allah, tabaraka wa ta'ala, le Très-Haut. Quatrièmement, ils seront rassemblés face contre terre, muets, sourds et aveugles. Yaqulullah jalla wa ala. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. Le jour où ils seront rassemblés face contre terre dans le feu de l'enfer. Et un jour un homme a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا.
قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. L'homme a dit, Ya Rasulullah, comment une personne pourra être rassemblée face contre terre vers le feu de l'enfer? C'est-à-dire, comment il pourra marcher sur son visage? Et Allah, et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été capable de le faire marcher sur deux pieds dans cette vie-là sera capable de le faire marcher sur son visage le jour du jugement. Tabaraka wa ta'ala. Et l'imam Qatada a dit, rahmallah tabaraka wa ta'ala, bala wa izzati rabbina. C'est-à-dire en réponse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais bien sûr que oui, Allah est capable par la puissance de mon Seigneur. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. ويقول الله جل وعلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. Et nous les rassemblerons le jour du jugement sur leur visage aveugles, sourds et muets. Cinquièmement, ils seront rassemblés avec leurs idoles, leurs suiveurs et leurs alliés. يقول الله جل وعلا احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. Rassemblez ceux qui auront été injustes ainsi que leurs épouses et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah et conduisez-les vers les chemins de la fournaise. Salamata wa al-afiyah. Ils seront aussi rassemblés, humiliés et avilis. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Dit, vous serez dit à ceux qui ont mécru, vous serez vaincus et humiliés et vous serez rassemblés dans le feu de l'enfer et quelle mauvaise destination et quelle mauvaise couche. En se rapprochant du feu de l'enfer, ils y entendront ses supplices, sa fureur et ses pétiments. Leur cœur à ce moment-là seront remplis d'effroi et ce feu alors, lorsqu'ils se rapprocheront du feu, commencera à se mettre en colère sur ces gens-là et à flamber de plus belle. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala وَإِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. Et lorsque ce feu les verra d'un endroit lointain en train de s'approcher, enchaînés, humiliés face contre terre, alors ces derniers entendront les supplices de l'enfer, entendront ce feu se mettre en colère contre eux et entendront ces flammes. Arrivés au bord de l'enfer, ils assisteront à ces horreurs. يقول الله جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Et si tu voyais, lorsqu'ils seront arrêtés sur le bord de l'enfer, ils diront malheur à nous si nous pouvons revenir et nous ne traiterions plus de menteurs les signes de notre Seigneur et nous serions parmi les croyants. À ce moment-là, ils seront persuadés qu'ils y entreront. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Et lorsque les criminels verront le feu, ils seront persuadés d'y rentrer et ils n'y trouveront aucun échappatoire. Allah le Très-Haut, tabaraka wa ta'ala, les fera s'agenouiller autour de l'enfer. Wa yaqulu jalla wa ala fa wa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanahdurannahum hawla jahannam jithiyya thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman 'itiyya. ثم لنحن أعلم بالذي هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الله تبارك وتعالى dans le sens des versets.
Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les démons, puis nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis nous sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent le plus d'être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui n'y passera pas, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Salamata wa al-afiyah. Les versets dans la description du rassemblement des mécréants dans le feu de l'enfer sont multiples. J'ai repris ici les principales, inshallah, mais à chaque lecture du Coran, vous pouvez, inshallah, les intégrer à ce moment-là. Rassemblement des croyants. Lorsque les mécréants seront rassemblés, il ne restera que les croyants et avec eux les hypocrites. Parmi les croyants, il y aura ceux qui avaient commis des péchés. Il y a parmi eux les prophètes, il y a parmi eux les vertueux et avec eux les hypocrites. Alors, ils suivront leur Seigneur au regard du hadith que nous avons lu ensemble. À ce moment-là, Allah plongera tout le monde dans une obscurité totale. Personne ne pourra voir et personne ne saura où mettre ses pieds. Et Ibn Abd al-Izz al-Hanafi, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, sharih al-Tahawiyya, a dit à ce moment-là, les hypocrites se sépareront des croyants et se mettront en retrait par rapport à eux. Car en fait, Allah tabaraka wa ta'ala va donner une lumière à tout le monde, aux croyants et aux hypocrites. Or, la lumière des croyants sera en proportion de leur piété. Certains auront une lumière grande comme les montagnes. D'autres auront une lumière aussi haute qu'un palmier. Je reprends les termes du hadith ici. D'autres auront une lumière aussi grande qu'un homme qui est debout. D'autres auront une lumière seulement sur le bout du doigt. D'autres auront cette même lumière sur le bout du doigt. Elle s'éteindra une première fois, puis elle se rallumera, puis elle s'éteindra, puis elle se rallumera. Ceci au regard de sa piété et de sa foi qui aurait été la sienne dans cette vie-là. Or, les hypocrites auront cette lumière, puis elle disparaîtra et elle ne reviendra plus. Lorsque tout le monde sera dans les ténèbres et que les hypocrites verront les croyants avec cette lumière, ils viendront, ils courront après eux. Or, les croyants les avaient déjà devancés, donc ils courront après eux et ils diront « Attendez, et afin que nous empruntions de votre lumière ». Alors à ce moment-là, les croyants diront « Revenez en arrière et allez voir si vous trouvez de la lumière derrière ». Alors les hypocrites reviendront en arrière et ils ne trouveront pas de lumière. Et lorsqu'ils voudront revenir vers les croyants pour leur informer qu'ils n'ont rien trouvé, à ce moment-là, Allah dressera un mur entre eux et les hypocrites. Un mur dont la porte sera à l'image de la miséricorde d'Allah du côté des croyants et de l'autre côté, du côté des hypocrites, il y aura l'image du châtiment. À cet effet, Allah dit tabaraka wa ta'ala « Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi-aymanihim » شراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, on leur dira voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, tel est l'énorme succès. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني
حتى إذا جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient « Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière », il sera dit « Revenez en arrière et cherchez de la lumière ». C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment de l'enfer. « N'étions-nous pas avec vous ?» leur crieront-ils. Ou eux répondront les autres, c'est-à-dire les croyants. « Mais vous vous êtes laissé tenter. » Vous avez comploté contre les croyants et vous avez douté et de vains espoirs vous ont trompé jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah Jalla wa'ala. Et le séducteur, Shaitan, vous a trompé au sujet d'Allah. Alors, les hypocrites n'ayant plus de lumière et les croyants, témoins de la scène, diront cette dua. Allah dit tabaraka wa ta'ala, « Yawma la yurzillahu al-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah » نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. Les croyants, le jour où Allah n'humiliera pas son prophète ainsi que ceux qui étaient avec lui, leur lumière courant devant eux et à leur droite, et ils diront ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. Ô Seigneur, parfait notre lumière, complète-la. Lorsqu'ils verront les hypocrites avec cette lumière qui s'éteindra, mais qui seront dans l'obscurité, ils feront cette dua à ce moment-là et demanderont, ils appelleront le pardon d'Allah, Jalla wa'ala. C'est le verset numéro 8 de la sourate numéro 66. Les croyants, à ce moment-là, seront face à une dernière épreuve, avant l'entrée au paradis. As-siratu. As-siratu, ya ikhwati al-kiram. C'est un pont qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, va dresser à la shafiri jahannam. Sur l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce pont comme étant aussi fin qu'un cheveu et aussi tranchant qu'une épée. Alors, quelle est la sagesse dans l'établissement de ce pont? Premièrement, c'est de montrer la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car comme nous l'avions dit, et ceci est la croyance des gens de la sunna, c'est que ce n'est pas tout croyant qui meurt sur la foi qui rentrera au paradis directement. Il se peut que des gens qui s'adonnaient au grand péché ou au petit péché passent par l'enfer, et ceci par justice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce n'est pas tout croyant qui rentrera au paradis à la awwali wahla, du premier coup. Alors ce pont dressé sur l'enfer, justement certains croyants y tomberont. D'autres seront rattrapés et d'autres passeront sur ce pont sans problème. À quoi est due la différence de traitement de tous ces croyants qui passeront sur le pont, leur piété et leurs actes de dévotion qu'ils auront avancé pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ceci vient montrer la justice d'Allah. Aussi, Allah par ce pont va octroyer encore plus de bienfaits et remplir ses serviteurs de sa grâce immense tabaraka wa ta'ala. Et aussi, il va augmenter la détresse des mécréants lorsqu'ils verront que les gens passeront et seront sauvés au final. Alors, le premier qui traversera ce pont, je vous rappelle que les gens sont dans l'obscurité totale. Il n'y a que leur lumière pour les guider. Certains auront juste une lumière en face d'eux, à distance d'un seul pas. Imaginez-vous. Alors, le premier qui traversera ce pont, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci s'est corroboré par un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur le hadith numéro 7437. حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز يومئذ الصراط يعني ودعوة رسل يومئذ اللهم سلم سلم. Donc le prophète a dit صلى الله عليه وسلم, je serai le premier puis ma communauté à traverser ce pont. Les premiers à traverser ce pont, le prophète صلى الله عليه وسلم puis sa communauté. Et l'invocation des prophètes ce jour-là sera « Ô Seigneur, préserve ou accorde ton salut, accorde ton salut. » C'est-à-dire, c'est une intercession ici, à part entière. « وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط المستقيم بين ظهراني جهنم عليه حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها فالروايات تختلف بعضها بعضا
وترجع إلى معنى واحد. Donc ce verset, hadith là, de Sirat, il a plusieurs versions. J'en ai rapporté une, mais elles sont nombreuses. Et elles ont toutes des termes qui divergent, mais qui renvoient toutes au même sens au final. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on dressera à ce moment-là le pont sur l'enfer, de part et d'autre de l'enfer. Il y aura de chaque côté de ce pont à Afwan des épines comme les épines de Sardin. Allahu a'lamu bituriha. Allah est plus savant sur la longueur de ces épines, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis les gens passeront et ils se diviseront en trois catégories. Fanajid musallam, celui qui sera sauvé et préservé. Kal anbiya wal mursalin wal salihun wal salihin. Wa makhdushun bihi thumma najid wa muhtabasun bihi. Puis al makhdush. Al makhdush, c'est celui qui passera, mais avec difficulté, il sera égratigné par ces crochets qu'il y aura de part et d'autre de ce pont. Al-Kalalib ou Al-Khatantif. Là, il passera, mais avec douleur. Et Wafi Waman Huaman Kusun Fiha. Il y aura celui qui tombera tête première. Là, ou tête la première, comme on dit. Puis le prophète nous a informé, sallallahu alayhi wa sallam, que chacun ne passera pas à la même vitesse. Certains passeront à la vitesse de l'éclair, qu'elle barque. D'autres passeront à la vitesse du clignement de l'œil. D'autres passeront à la vitesse d'un oiseau en vol. D'autres passeront à la vitesse d'un cheval rapide en course. D'autres passeront à la vitesse d'un chameau. D'autres passeront à plat ventre, en haut en marchant. D'autres à plat ventre, d'autres à quatre pattes, chacun selon ses actes. Ça, c'est la bataille wal afia. C'est une épreuve qui doit nous inciter, barakallahu fikoum, à exceller dans les œuvres, dans les actes d'adoration, notamment le fara'id, et dans les actes surérogatoires. Car personne ne peut affirmer aujourd'hui qu'il sera sauvé et qu'il sera préservé de ne pas tomber dans le feu de l'enfer. Et l'imam al-Qurtubi, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, nous a alerté par rapport à ceci. Il nous a dit, imagine-toi sur le bord de l'enfer, avec cette description de ce pont aussi fin qu'un cheveu, aussi tranchant qu'une épée. Tu n'as qu'une petite lumière devant toi et tu vois en face de toi des gens en train de tomber, d'autres en train de se rattraper. Et tu vois l'obscurité de l'enfer sous tes yeux avec ces chaleurs qui remontent à la surface. Et ça, c'est une situation qui est angoissante et terrible. Après l'épreuve du Sirat, les hypocrites, bien sûr, seront entraînés et jetés dans le feu de l'enfer, dans l'amont, et certains croyants passeront par le feu de l'enfer. Non. Il faut savoir que pour l'enfer, le feu qui sera touché par ou qui touchera les croyants n'est pas le même que celui qui touchera les mécréants. L'imam al-Qayyim, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, a dit que il y a trois étapes ou trois tabakats. Il y a ce qui contient que du bien, c'est-à-dire le paradis. Il ne contient que du bien, que des délices. Il y a ce qui ne contient que du mal, c'est-à-dire le feu de l'enfer, des mécréants et des hypocrites et des mouchriquines. Et il y a ce qui contient du bien et du mal, c'est-à-dire le feu qui touchera les croyants. Car ce feu-là viendra au final les purifier de leurs péchés. Donc c'est un mal qui comporte aussi un bien derrière. Alors, le prophète a dit à Sakwa Salam, ces deux feux-là ne se rencontreront jamais. Le feu des mécréants et le feu des croyants ne se rencontreront pas. Ils n'ont pas la même intensité. Nous parlerons, Inch'Allah, des réprouvés de l'enfer la semaine prochaine. Lorsqu'on parlera des différentes sortes d'intercession, et ceci viendra aussi dans la chronologie des événements après que je parle ici du Qamtar. Alors, ceux qui auront réussi cette épreuve,
seront dans un autre pont. On l'appelle Al-Qantara. Le premier, on l'appelle As-Sirat. Le deuxième, on l'appelle Al-Qantara. Pourquoi ces deux dénominations? Car en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a utilisé deux mots différents pour signifier deux choses différentes. Et parmi les savants, parmi les salafs, il n'y a que Ibn Rajab al-Hanbali, savant du Xe siècle, qui a mis l'accent sur la différence qu'il y a entre As-Sirat ou Al-Qantara. Donc il est important que nous puissions aussi comprendre que ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'Al-Qantara? Je vais d'abord vous rapporter le hadith. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول يخلص المؤمنون من النار أيحبسون على قنطرة هذه اللفظة قنطرة الترم كان يجيز للبروفيت صلى الله عليه وسلم فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض مظالمة كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله كان في الدنيا Prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, le hadith numéro 6535. Prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, les croyants seront délivrés de l'enfer. Ils seront immobilisés sur un pont qui est placé entre le paradis et l'enfer, Hadih al-Qantara. C'est là qu'ils régleront par la compensation les méfaits qu'ils auront commis auparavant, les uns contre les autres. Quand ils auront réglé leur compte et qu'ils seront purifiés, on leur permettra d'entrer au paradis. J'en jure par celui qui tient l'âme de Mohammed en sa main. Chacun d'eux trouvera plus facilement sa place dans le paradis qu'il ne trouve le chemin de sa demeure en ce bas monde. Qu'est-ce que Al-Qantara? Al-Qantara, c'est cet endroit-là où seront positionnés les croyants dans l'attente justement que les autres sortiront de l'enfer. Ils se pardonneront mutuellement. Et ici, le pardon mutuel ici est avant tout un pardon, c'est-à-dire sur des préjudices relatifs au cœur. C'est-à-dire la haine, la jalousie, la rancune, toutes ces choses-là, tous ces méfaits-là du cœur qui polluent le croyant et qui polluent ses relations avec les autres. Alors, pour qu'il puisse rentrer au paradis, il faut que justement il soit lavé de tout ceci. Pour quelle raison, les frères? Car vous savez tous qu'au paradis, il y a des degrés. Et les degrés du paradis, ils sont très distincts et ils sont très éloignés les uns des autres. De telle sorte que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci on en reparlera dans les cours prochains, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez la place de mes compagnons au paradis comme vous voyez des étoiles dans le ciel. C'est-à-dire presque inaccessible. Alors, pour pas que les gens qui seront dans les degrés les plus bas du paradis soient jaloux ou envieux de la place qu'Allah a octroyée à ces gens-là, aux compagnons, aux prophètes, aux vertueux, il faut qu'Allah tabarakata les lave de quoi? De toute jalousie, de toute envie, de toute rancune. L'âme. Et Allah dit à cet effet, Jalla wa'ala, وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Et nous retirerons à ce moment-là toute rancœur, toute rancune qu'ils auront dans leur cœur. Et ils demeureront dans les jardins éternels du paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc, Allah enlèvera de la poitrine des croyants la rancœur, la haine et la jalousie afin qu'ils rentrent purs au paradis et au regard des degrés qu'Allah octroiera à certains et non à d'autres. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Nous parlerons, Inch'Allah, la semaine prochaine de l'entrée des croyants au paradis et nous en profiterons pour évoquer la shafa'a. C'est-à-dire l'intercession. Car à ce moment-là, les intercessions surviendront. L'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession des vertueux pour leur famille, l'intercession du Qur'an pour celui qui l'aura lui mis en pratique, l'intercession des membres du corps, bref.
les anges, etc. Tous les intercesseurs viendront à ce moment-là pour faire sortir ceux qui étaient rentrés en enfer et qui en sortiront, inchallah, par l'intercession, par la miséricorde d'Allah, puis par l'intercession des prophètes et des gens vertueux. Aussi, on parlera aussi de l'intercession que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera à certaines personnes du paradis pour leur augmenter leur degré au paradis. Et nous commencerons aussi à évoquer certains délices du paradis. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yukrimana bidukhul al-jannati wa yukrimana bi an nakuna min ashabiha wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yu'idana min an-nar wa min ashabi an-nar wa min lahibi an-nar wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yubitana ala at-tawhid wa an yubitana ala al-iman wa at-taqwa wa ala as-sunnah wa ala al-manhaj as-salafi فضله وكرمه إنه الولي بذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم إلى اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما